Bon, le record est en train de se faire pendant l'heure du goûter. Du coup, en parallèle, ce que vous voyez pas en off, c'est que je suis en train de manger mon petit Kinder tranquillou et je continue avec mes boissons pour enfants. Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 des Sims 4 modés. Alors aujourd'hui, cette vidéo portera sur les aménagements. On va regarder un petit peu ce qui est au niveau des mods. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier du fond du cœur car vous avez été hyper nombreux à aimer du coup cette nouvelle catégorie sur la chaîne. Et vous avez été nombreux aussi à me dire Kiki t'es complètement à l'ouest, nous les mods on les connaissait déjà depuis longtemps. Et moi voilà, j'étais complètement perdue. Vous avez été aussi quelques-uns à me donner d'autres sites de mods. D'ailleurs je vous remercie grandement. Alors j'hésite à partir soit sur une maison ou sinon partir sur un build, vraiment on télécharge des murs, des sols et on bâtit nous-mêmes. Je pense qu'on va faire comme ça, c'est peut-être mieux. Et tout ce qui est maison, genre Vampire Castle, tout ce que je vois là, les autres maisons, on se penchera sur ça plus tard parce que là ça sera des maisons déjà préfaites, donc elles seront déjà assez badass pour le coup. Alors ce qu'on va faire du coup sans plus tarder, on va aller dans le build. Donc on est sur Sims Catalogue et on va regarder un peu ce qui est proposé. Donc là on a le parquet. Ah oui, donc on a tout ce qui est mode de parquet juste ici. Donc là, ceux-là je les sélectionne direct. Simple wallpaper, d'ailleurs les chaises que vous voyez pour information sont des chaises que je rêvais d'avoir pour mon appartement et que je n'ai pas pu avoir finalement et j'étais dégoûtée. Donc du coup on a aussi des carreaux de carrelage, mais il y a des trucs hyper stylés, on a des portes, on a des grandes baies vitrées, en fait des sortes de grandes baies vitrées, oh là là le marble. Ça, c'est un truc, je rêverais d'avoir du marbre sur mon sol. Alors vous allez dire, oh c'est bon, hein, ça va 2 minutes, hein, du marbre au sol, pourquoi pas de l'or sur les murs. Mais non, mais c'est un truc que j'aime bien, le marbre. Alors, ça peut faire vieux, je suis d'accord, mais moi, il y a des trucs que j'aime bien comme ça. Le parquet miroir, je suis pas trop fan, on peut le télécharger pour voir ce que ça peut donner potentiellement. Hop, on va switcher, il y a énormément de mods. C'est vrai que pour le coup, je me dis que quitte à avoir un personnage, de tester des mods sur mon personnage, pourquoi ne pas tester les toilettes de magasin, pourquoi ne pas tester dans ce cas-là aussi bah, des mods pour les maisons, des mods de construction, hein, pour voir ce que ça peut donner. Je trouvais ça un peu dommage de m'arrêter là et de ne pas continuer, sachant que la prochaine vidéo portera sur les modes de jeu carrément, donc genre le killer, je sais plus comment il s'appelait, serial killer je crois, mode qui était assez terrifiant. Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs, puisque je l'ai pas encore installé, on gardera vraiment ça pour la prochaine vidéo. Là je pense que je vais garder la même maison, on verra. Je pense que je vais garder l'espèce de même, mais la petite maison là que j'ai eue quand on est arrivé sur la game précédente. Je pense que je vais la garder, je vais la pimper à fond et après par la suite, bah, lors d'une prochaine vidéo, donc pas celle d'après mais l'autre d'après, pourquoi pas tester les modes de maison et là avoir une grosse baraque et la modifier, ça peut être pas mal aussi. C'est trop trop bien, il n'y a pas des choses en rapport avec Harry Potter mais genre des gros posters hyper bas. Oh là je viens d'avoir une idée, pourquoi si on fait le mode tueur dans la prochaine vidéo, dites moi si ça vous botte, hein, on ferait pas la maison du tueur avec. Alors ça sera dans la même vidéo, on fait la maison du tueur et le mode tueur et genre on essaye de faire une maison mais creepy. Genre avec un sous-sol et tout, j'ai une idée de fou là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre, ou vous savez quoi? Au pire, juste ici, normalement, vous allez avoir un petit cercle qui va apparaître avec un sondage. N'hésitez pas à cliquer sur ce sondage et dites-moi si une vidéo complète, admettons, sur bah voilà, la maison du tueur plus le tueur, ça vous plairait, oui ou non. Donc oui, si ça vous plaît de ouf, ce concept, ou non, si franchement ça vous plaît pas plus que ça, et on se focus vraiment à 100% sur le mode tueur. Mais ça peut être trop stylé. Oh, j'aime bien, il peut y avoir un petit côté Batman. Un petit côté Batman, why not? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour les murs, il y en a déjà bien assez, je pense. Ouais, on va se stopper là. Parce que ça fait beaucoup de mods à installer. Enfin, à télécharger, parce qu'en fait, il y a un petit cooldown à chaque fois quand tu les télécharges. Donc, les amis, je télécharge ces mods-là et on se retrouve pour les sols. Nous revoilà les amis, alors du coup, après avoir téléchargé tous les mods, je suis tombée sur ce site-ci. Alors, très compliqué à prononcer. Simsational Design, qui fait des trucs vraiment hyper stylé. Il y a un souci du détail assez beau et du coup là je suis complètement émerveillée par le style. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas beau? Alors de toute façon ça sera listé dans la barre d'infos, parce que c'est juste incroyable. C'est incroyable, j'ai téléchargé là ce mode avec les murs parce que les couleurs, cette couleur là en fait c'est la couleur que j'ai dans mon salon et ça vous fait penser aussi à la couleur qu'il y a dans ma bannière YouTube. Et c'est une couleur que j'adore. Et en fait, il y a plein de designs comme ça. C'est typiquement... Wouah, j'avais pas vu ça. Vampire Pack, build mode. Non mais attendez, on va cliquer sur l'image, on va regarder un petit peu ce que ça donne. C'est trop badass. Ah, allez-y, franchement, ça vaut le détour. Si vous cherchez des bons modes hyper stylés,
N'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment bien foutu. Non mais non, ils ont mis des shampoings avec des marques. Parisian Chic 7, on dirait le meuble Ikea, le truc hyper connu de tous les youtubeuses, de toutes les youtubeuses beauté. Hop, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Apple 7, alors déjà c'est pas moi qui irai le mettre, cet Apple 7. Eco Living Room. Ah mais attendez, on a carrément des sets complets. Alors, wall, ok. Oh la télé. Bah, va falloir faire attention parce qu'avec les marques, vu que l'article 13 vient de passer, va falloir faire attention Michel, va falloir faire très attention. Mais non, Spiderweb Hardcore Gaming. Excellent. Ah je télécharge, j'en ai rien à faire. Moi j'aime pas les choses qui sont trop colorées. Bon bah je pense que vous me connaissez à force. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec les sets qui sont hyper colorés. Je sais pas, c'est pas mon style. Nous voilà désormais dans le jeu, les amis. Ça a été un petit peu long quand même de copier tous les trucs, surtout les modes en fichier qui étaient déjà sous fichier et tout. Fallait les dézipper, c'était un petit peu long, mais bon voilà. Donc voici la maison où on s'était laissé l'autre fois. Hein, c'était cette maison-ci. J'ai modifié légèrement ma Sims. Petite pause sur elle, mon petit Michel. Je l'ai modifié légèrement. Ah, peut-être qu'elle a là-dessus. Bon, on verra que dalle. C'est juste par rapport à ses yeux, en fait, c'est tout. J'ai juste mis des yeux marrons et... D'ailleurs, petite anecdote conne. Depuis qu'à ma Sims, je lui ai mis les cheveux sur le côté, ben, je me suis dit, peut-être que ça pourrait bien m'aller de mettre les cheveux sur le côté et de pas faire la roue au milieu. On en a rien à foutre de cette anecdote, mais quand même. Et j'ai essayé et j'aime bien. Donc voilà, c'est tout. C'était l'anecdote con. On va laisser la maison comme ça au niveau de ses proportions. Je pense que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une petite cuisine, hein. Une petite cuisine, une petite salle de bain, un grand salon avec une cage d'escalier au centre. Salle à manger juste ici. Hop, tu montes à l'étage, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, c'est pas hyper grand en fait. Hein. Alors, au niveau des constructions, déjà, le mur, très important, on avait pris des modes. Alors, on va les regarder. Alors, faites voir. Oh là là. Bienvenue à la messe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, c'est tellement beau. Alors, attendez, ça part dans le salon direct. Moi, je suis comme ça, moi. Ah non, c'est trop beau. Regardez, regardez comme c'est hyper stylé. Ça, c'est très joli. Du coup, ça, c'est ce qu'on va mettre pour la salle de bain. C'est hyper beau. Hein. On a en noir. Oh, en noir, c'est trop classieux, j'adore. Et là, c'est la même chose, mais avec une bande. Ouais, c'est ça. Et en la version... C'est la même chose, mais avec une bande comme ça. Bon, bah alors, ce qu'on va faire, on va faire ça. Ensuite... Oh là là, mais j'en ai pris de la brique, dis donc. J'étais énervée la dernière fois ou quoi? Alors... En blanc, c'est pas mal. Non, celle-ci, j'aime bien. Mais du coup, faut le faire comme ça. Tac. On va regarder comment la cuisine, elle est foutue. On va faire sauter tous les éléments. On va tout virer. M'en voulez pas. Ah, au niveau du sol aussi. On n'a pas fait le sol. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sol? On a du plancher comme ceci, qui est fort sympathique. On a plein de couleurs de plancher. Oh là 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 là. On a tellement de couleurs de plancher, c'est bien. Le marbre. Mais il n'est pas très beau. Ouais, enfin, je le trouve pas ouf. J'ai pris que du marbre, la meuf qui a fait une fixette sur le marbre, quoi. La grosse fixette. Oula, c'est quoi ça? C'est le truc miroir, non? Ah ouais, mirror floor. Ouais, je sais pas, j'arrive pas. Je l'avais téléchargé, mais je trouve ça quand même pas ouf. Hein. Sinon, je pars sur un truc plus gris. Hein. Ouais, peut-être plus gris. Allez, plus comme ça. Allez, on regardera après pour le reste des zones. On va attaquer la cuisine sans plus tarder. Est-ce que là, on a des pièces toutes faites, du coup, vu que c'était des sets? Non. Alors, du coup, je pense qu'on va démarrer sur un grand plan de travail. Ça peut être pas mal. Ça peut être assez stylé. On a plusieurs types de plans de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, celui-là, il est badass. J'aime beaucoup. Et là, je vais mettre tout de suite une gazinière. Ah, du coup, ouais, ça va pas. Bon, c'est des tests, les amis. Hein. Ne paniquez pas au cas où, c'est des tests. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'au niveau des poubelles, on avait des trucs genre complètement inédits? Non, pas du tout. Alors, on va mettre une poubelle, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah, au niveau de l'évier. Bah oui, bah du coup. Eh bah, au niveau de l'évier, du coup, on a quelque chose. Oh, c'est du coup, le pauvre évier, il ira pas du tout avec... Il ira pas du tout avec le set. On va regarder, mais... Oh là là, ça va pas. Bon, du coup, les amis, j'ai changé la cuisine parce que je voulais voir ce que ça allait donner avec le marbre. Il y a juste ça où je suis pas fan. Peut-être pour le coup, je vais peut-être le faire sauter, le virer. On verra ça plus tard. De toute façon, c'est pas un souci. Alors, je vais regarder au niveau des éléments, tout ce qu'on a pu télécharger. Hein. Voir... Oh, des petits coussins. Ok, c'est sympa. Est-ce qu'on a des styles différents? Ah, c'est bien. Oh, le chat. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un tri directement? Je crois qu'on peut sur les Sims trier par mode. Oh, c'est joli les petites fleurs. Eh ben, mettons-les là. Tout simplement. Est-ce qu'on peut changer la couleur? J'ai pas fait gaffe. Oui, on peut changer la couleur. C'est magnifique. C'est incroyable. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La poubelle, c'est très bien. Pour les animaux. Ah oui, les modes des animaux d'ailleurs. Finalement, j'ai pas pu les télécharger parce que
C'était hyper chiant, ça me demandait de désactiver AdBlock et tout, et moi j'aime pas trop quand ça me demande de désactiver mes bloqueurs, donc du coup j'ai préféré annuler. Voilà, c'est tout, j'ai préféré annuler. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça va dégager. Il va falloir se centrer par rapport à la télé déjà. Le truc, la télé. Je pense que la télé, on peut la mettre ici. Donc, on va virer le canapé en attendant, on va mettre un meuble télé. Est-ce que ça peut faire office de meuble télé? Je ne sais pas. Mais on va le découvrir puisqu'on a téléchargé des mods. Alors, regardons. Pas mal. C'est pas mal, il y a du style. Ensuite, là, c'est un peu plus haut. On a une table, donc table basse. Ah, c'est pas mal, ça. Oh là 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 là. Mais franchement, les potes, si vous avez l'occasion de télécharger les mods, de les tester ou quoi, n'hésitez pas, parce qu'ils sont hyper badass. Ouais, on va se mettre comme ça, et là, on va mettre une plante, on va mettre un truc, on va voir. Il y a tellement de décorations disponibles. Je suis sûre qu'on a bien une décoration, un truc ici qu'on a téléchargé. Qu'est-ce que c'est, ça? Oula, ça doit être pour de la déco. On va mettre ça en attendant, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais on va mettre ça en attendant. Au niveau de la télé, j'avais téléchargé... Ah... Donc le Sims Dual Channel TV. Bah en fait, c'est celle... Et celle-là, Samsung Curve. Télé incurvée Samsung. Eh, est-ce qu'on est pas mal là? Attendez, il manque quelque chose. Il manque 2-3 petits trucs. Oh, mais c'est trop beau. Oh, ça donne une super luminosité du coup. C'est tout con, mais ça donne une super luminosité. Je crois que j'ai vu des petits trucs qui pouvaient se poser directement. Je suis pas sûre, ça se trouve, j'ai dit complètement des conneries. Mais on est pas mal. Par contre, la télé, elle a un peu borderline. Non? On va mettre ça comme ça en attendant. Et bah du coup, on va pouvoir remettre la télé parce que ça allait pas. Ah bah voilà, là, t'as moins l'impression que ça va se péter la gueule. Ok, bah c'est nickel. Bah, ils sont pas mal, ces petits mods. Regardez-moi ça. Bon, le vieux truc de mamie, là, ça peut dégager, ça aussi. Ensuite, alors, ça, bah du coup, ça serait con quand même qu'on puisse pas voir la télé. Donc, faut qu'on soit bien. Je pense qu'on peut se mettre comme ça. Et on va mettre d'autres trucs décoratifs à côté. On va mettre des petits canapés. Ah, ça en rouge, ça peut être pas mal aussi. C'est sympa. Ensuite, au niveau des cheminées, est-ce qu'on avait téléchargé des trucs bien spécifiques? Eh oui. What the fuck? Bon, bah tout noir hein, pour changer d'habitude. C'est vrai que ça fait pas mal de zones noires. Je dois bien vous l'accorder. Ok, je dois bien l'admettre. Mais vous allez voir, avec la lumière et tout, ça va être pas mal. Ok. Bon, on va mettre ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tout ce qui est table pour aller miam. Oh merde! Oh merde, j'avais... j'avais viré la baraque! Ça va être un peu compliqué de faire ça, là. Ça va être compliqué d'enchaîner, je pense. Si je fais ça. Merde. C'est sympa comme ça. Et puis pour manger, du coup, au niveau des plateaux repas... Si ça tenait qu'à moi, ça serait full plateau repas. Je sais pas, je trouve que cette zone, elle est vachement renfermée, du coup, que c'est dommage. Moi, j'aime bien les trucs, quitte à pas avoir de table, autant avoir une grosse cuisine, quoi, où tout le monde peut manger autour. Au niveau des chaises. Les chaises, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on avait au niveau des chaises? Alors, on avait des trucs. Bah, attendez, c'est pas ce que j'avais demandé. Parce que c'est moche, ça. Il n'y a pas autre chose. Si, voilà, mes petites chaises. Ça fait beaucoup de blanc d'un coup. Alors moi, c'est soit tout blanc, tout noir. Va comprendre. Il y a aucun sens. Il y a aucun sens dans ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, il y avait vraiment des trucs qui étaient pas très... Non, je suis pas très convaincue, si je puis me permettre. Au niveau du setup, bah oui, mais le setup, où est-ce que je veux le placer? On peut le placer là, hein, mais bon. Parce qu'en fait, c'est fait comment à l'étage, déjà? Oh! Ah oui, c'est là. Ok. Ouais. Alors, on peut mettre quelque chose comme ça. On part sur un triple screen. J'avais pas vu le logo. Oh, Overwatch! Le tapis de souris, excellent! J'adore! C'est trop bien foutu! Ah, ça, c'est stylé d'avoir fait ça. Le petit coup d'Overwatch, là, pas mal. Petit clin d'œil, pas mal. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On est loin encore d'avoir terminé cette maison. Je vous rassure, on est loin d'avoir terminé cette maison. C'était juste que je voulais tester les mods pour le coup. Mais là, si je me mets vraiment à faire la maison de A à Z, on en a pour au moins 3 heures de vidéo. Quand je suis lancée sur des jeux comme ça, comme les Sims, je peux passer des heures sans voir le temps en passer. Alors du coup, la bouffe. J'ai vu la bouffe. Là. Et moi, vous savez que ça me parle, la bouffe. Moi, c'est ma vie. Alors, on va mettre... oh là là, les pizzas, tout ça, tout ça.
Est-ce que vous voyez mon grand sourire? Je pense que oui. Oh, les pancakes! Alors, attendez, comment on peut poser ça? Ah ouais, on peut les poser comme ça? Ok. Et à côté... Ouais, mais attends, on peut pas mettre... Tu imagines le mélange? Pancakes et tout, tu vois le bordel? Ouais, on va partir en mode snack. Allez, on va dire qu'on est en snack time. Oh là là, c'est d'une trop envie. Voilà, on va partir comme ça. On va mettre un petit peu de bouffe. C'est très important, la nourriture, les potes. Je pense que vous le savez. Hein. C'est hyper important. Par contre, dis donc, Kiki, qu'est-ce que tu manges pour mettre autant de choses? En fait, je suis en train de mettre plein de trucs parce que je vois de la bouffe et je me dis, c'est important, il faut mettre. Ça a bouffé, c'est hyper important, faut pas négliger les choses. C'est n'importe quoi. Alors du coup, bah là, je pense que on va mettre ça dans un coin. Ça peut être pas mal. Hop. Si, contenu personnalisé. Mais bingo! Et si seulement, bah voilà. Mais Kiki, toujours 10 ans, toujours à la fin des vidéos, Kiki se réveille. Toujours à la fin. Oh, c'est d'une laideur! On verra pour mettre ça dehors, mais je pense qu'on aura un abago. Hein. Clairement, à mettre ça... Ah non, je pense qu'on va avoir mal au dos. Hein. Je vous le dis direct. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est pour mettre de la déco, accroché au mur. Ok, ça c'est pour mettre potentiellement de la déco, c'est même sûr et certain. Ok, pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette injustice? Il y a plein de trucs que je peux mettre n'importe où. Voilà, genre ça, et des posters, des simples posters, je peux pas les mettre au mur. Écoutez les amis, je ne peux pas mettre les posters au mur, je ne sais pas pourquoi. Si vous le savez, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai de me renseigner sur le mode, voir s'il est encore valable en fait. Et s'il n'y a pas un problème, quelque chose qui rentre en conflit par rapport à la nouvelle mise à jour, aux dernières mises à jour et à la version du mode actuel. Je vais regarder parce que ça me paraît très étrange. Et dis donc, je suis dégoûtée. Dites-moi ce que vous pensez de la maison. Alors attention, elle est loin d'être terminée comme je vous l'ai dit. Elle est vraiment loin d'être terminée. Il y a encore l'extérieur à faire, les jardins, les objets, toutes les petites décorations à poser. Il y a aussi, du coup, tout l'étage supérieur, je pense qu'on va modifier complètement parce qu'il y a trop peu de place. On verra ce qu'on va faire par la suite en off. Et de toute façon, je vous retrouverai pour le prochain épisode. Et le prochain épisode, donc n'hésitez pas du coup à me dire si ça vous intéresse par rapport au tueur. Ça pourrait être assez stylé. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Retrouvez-moi ce soir à partir de 21h comme d'habitude en live sur ma chaîne Twitch. Tout est listé de toute façon dans la barre d'infos. N'hésitez pas à follow sur les réseaux sociaux parce que c'est là que vous pouvez aussi me donner des idées. Vous pouvez me dire sur Twitter, Kiki, j'ai vu ta vidéo. N'hésite pas à rajouter ça, ça, ça. Vous pouvez aussi me le dire via les réseaux sociaux ou même encore dans les commentaires de toute façon. Et hâte de voir. Ce que ça va donner en avançant. Ces modes sont vachement stylés. J'aime beaucoup les modes qui sont disponibles sur les Sims. Je les trouve hyper réalistes et hyper bien foutus. Et ça fait grave plaisir. Donc les amis, en attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Ça fait beaucoup de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.